Bonjour les Minecraftiens, ici 7béton5 à 15 FPS pour un nouvel épisode de Minecraft est offert en compagnie de Falanax, de Tinjoff, de Frosty et de l'abonné Wizboy. Il y a plein de trucs à montrer, il y a plein de choses qui se sont faites pendant que j'étais pas là, que j'étais bien plus occupé à faire quelque chose genre l'épisode des chroniques de l'explorateur. Qui l'a pas vu? C'est le B. J'ai un problème. Là-bas. Bah, à tout de suite. Il y a Wizboy qui essaye voilà. De parler. Je vais chourer à son épée. Vas-y, tu vois. De toute façon, je lui échouerai en fait, son épée. C'est juste parce que je t'avais déglingué dans l'épisode 29, sauf que t'as pas voulu le montrer. C'était pas l'épisode 29, c'était l'épisode. On tente de faire un épisode, mais vu qu'il ne s'est rien passé, on l'enlève. Si, je vous ai déglingué. Oui, mais c'est tout, il y a eu rien d'autre. En 20 minutes, t'as fait que nous déglinguer en boucle. Et normalement, il n'y a pas de épée dans cette série. Tué une fois. Tu nous as tué 7 fois. Tu lui fais aide-moi, il a pris l'argent. CLP, nous sommes tes amis, tu n'as rien à craindre. You mad, bro? Bon, moi je vais commencer à construire une arène. Par contre, moi j'ai juste au plus moins, tout. On aura un an. Rends l'épée aux abonnés. Bah, je l'ai rendu. Mais rends, mais tu l'as pas donné. Ah bah, ça c'est bon. Ouais, voilà. Ah tiens, mais cette bille est quand même Sharpness 4 et Unbreaking 3, j'avais pas remarqué. Et Looting 2 surtout, c'est. Une arène 3. Je pensais qu'elle était moins bien enchantée que ça. Ah oui, mais je vais en faire une moi. Je vois bien le truc Joris Arena avec vente de kebab à l'entrée. Oh, ce serait fun. Oh, faut construire un truc comme ça. Oh, faut développer les Joris Industries. Là, on a encore. Ah, je vais le faire. Hein. Genre, une petite vingtaine d'épisodes à finir encore Joris pour cette Arena, série-là. Vois, on a largement le temps de construire, de développer les industries. On était le seul à développer les industries avec Alfwick. Mec, il me tue gratuitement. Mais tu as drop la flamme kick. T'as drop la flamme kick au sol. Qu'est-ce que tu crois que t'aurais fait à ma place? Eh, en fait, je viens de me rendre compte que dans les poubelles de la team, il y a des meilleures épées en diamant que celles que j'ai. Purée! Non, parce que l'épée, elle est pas enchantée. Bon bah, merci les gars, en fait, c'est un peu moi qui ai balancé 4 pioches et 2 et 4 épées, un truc comme ça. Et pourquoi t'es tout le temps médisant, merci et vous me remerciez pas, et gna gna gna, et vous m'avez buté. Et parce que tu nous dis pas, non, on t'aime beaucoup, on te fait de gros bisous. Voilà. Gros bisous, j'ai deux Frosty. Ok, j'ai deux Flamme Kick, qui en veut une? Moi, je fais des bisous à Frosty, mais j'aimerais bien que Frosty me fasse des bisous en retour. Adorable. Ah, si. Tiens, Frosty, cadeau. Oh, à la Tinjoff. Oui. C'est le cadeau à la Tinjoff, hein. Oui. Tout le monde le connaît. La Rotten Flèche. moi j'ai pris du pain parce que j'ai. Ouais, tiens. Moins Frosty, Tinjoff, t'as pas tué avant de déshabiller. What the fuck? Normalement, je devrais avoir été. Hey. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Attends, d'où on est en communication là? Vérifiez votre Skype, je crois qu'on a un bug. Donc, Frosty a fait son logo là-bas. Moi ouais, j'ai vu. À un moment où je ne sais pas s'il était grincheux ou bien, mais c'est le logo de Frosty. Il est magnifique. Je m'étais pas quoi. Oh mon dieu, le vilain slash TP. Aïe. Alors. Voilà. Miracle, on est tous dans la conf et considérés comme dans la conf par Skype. Qui c'est bon, l'épisode peut commencer. C'est le B qui a pris. Est-ce que c'est un de vous qui a pris ma pierre que j'avais mis au fourneau? Ah oui, désolé, je pensais que c'était. Pour que je le tue, pour que je le trucide, pour que je l'explose. Si jamais tu le trucides et que tu exploses, ne prends pas les ressources des autres. Ce n'est pas une attitude très communiste, voyons. Bah voilà, je suis pas le seul. Je suis le chef ici, j'en ai rien à foutre. T'es le chef ici, non mais dis-toi. Y a pas de chef ici, tous les MCK se gèrent l'ensemble. Tu sais qu'il y a un bouton. Et voilà. Et de quoi? Oui, il y a un bouton qui téléporte. Les hommes sont égaux. Tiens, cadeau. Il est où, purée? Un cadeau? Où c'est un cadeau? Les données à Frosty, c'était 4 oh, mais... mais dis quoi, c'est pas toi le chef, ok? Tu te calmes. What? D'où? Mec, faut pas te toucher. Si, je te touche là? Non, mais voilà, tu cheats. Mais non, mais toi aussi, tu es intouchable maintenant, on a été rajouté. Ouais, et c'est moi qui l'ai fait. Et depuis quand, Frosty, tu connais les commandes pour quitter une team? Bah, depuis l'épisode 20. Putain, mais j'ai fait exprès d'utiliser des commandes de scoreboard pour enlever le PVP justement parce que je savais que ça vous ne sauriez jamais le faire. Fait chier. Non, mais moi, c'est LB, je le ferai. Hein. J'ai commencé à regarder. Team. Le PVP était censé être désactivé sur cette map. Mais bon, on a quand même quelque chose à montrer d'important. C'est pour ça qu'on peut me taper. Les créations de Wizboy, Underboy et Alfwick. 3 MC Kittens et fiers de l'être. Qui ont mis un bouton de téléportation parce que la téléportation c'est bien. Et qui avaient des putains de ressources. Les motherfucking ressources. Maintenant qui donne la MC4 money à la MC4, ça va. Ah oui, j'ai fortune 3 sur un. Ouais. Wither, Under qui ont des skins assortis, c'est magnifique. Quel esprit de fraternité. Et Alfwick, ce très cher Alfwick.
Dédicace à Jouy qui ne verra jamais cette vidéo parce que il dit parce que quand il me demande l'emplacement d'une maison, il dit s'il te plaît réponds-moi, je vais pas être obligé de regarder les vidéos quand même, espèce de meurtrier là, tu veux me faire subir quoi. Le MC Kitaine l'extrême. Gros bisous à Alfwick. Ouais voilà, donc je pense pas avoir tout montré parce qu'ils ont glissé plein de trucs dans leur logo. Et puis il apprend que il l'a enlevé par Alfwick. Ici on peut se déplacer, avancer un petit peu et voir toute une petite maison encore. Ici il y a rien, par contre là il y a quelque chose. Vous êtes où ? Il y a des cultures à la noix, mais faudrait replanter en fait. Faudrait replanter. Ah oui c'est moi ça. Et sinon quoi d'autre ? Il y avait un passage secret quelque part. Ah tu veux que je le fasse montrer ? Ah oui. Ah non mais moi je vais tout faire péter. Hein. Alfwick va pas être content du tout, mais bon je veux tout montrer. Le pire c'est qu'il est hop, hein, donc Ah oui, sauf que CLB, elle a la console. Vas-y, va sur la table de craft. Ouais. Voilà, je savais que c'était sur la table de craft. Oui. Il y a un bouton sous le coffre. Ah, la richesse. C'est pas très communiste de stocker 18 blocs d'émeraude et 3 et 13 blocs de diams dans un coffre. T'as vu ? Ils ont l'argent du peuple. Oh mon dieu, c'est le bordel. Pendant que le peuple meurt de faim, vous prenez toutes les ressources pour vous, quel égoïsme. Le bouton. Il est où le passage, voilà. Merde. Le passage, il est dans le tank. Désolé. Ok. C'était beau. Oula, il faut récupérer toutes les ressources. Alfwick ne regardera pas cet épisode. Alfwick ne regardera pas cet épisode. je peux t'assurer. Non, Geoff en mode police du communisme qui veut retrouver les ressources. Je veux les ressources. Tout de suite. Nous devons retrouver les ressources. Tiens, à propos, Geoff, y a pas un let's play qu'on devait faire à la base, genre il y a quelques mois. Il n'existe pas. Oh si, eh quand même, on l'a trop bien commencé pour le laisser de côté. Ah oui, non mais là pour l'instant. C'est LB ? Du mal à être. Y a un problème ? Merde. Ouais. Y a plus aucune ressource dans le coffre à ressources. Y a plus aucune ressource dans le coffre à ressources. Y a plus aucune ressource dans le coffre à cookies. Quel coffre à ressources ? Ah merde. Dans la base de CLB, enfin dans la base de tout le monde. Mais moi je prends pas toutes les ressources, j'ai tout rangé tout à l'heure. Mais j'ai pas ça, espèce. Il veut passer par les murs au lieu de passer par la porte. La fin, c'était une feinte. Oulala. Espèce de sale fourbe. Et oui, c'est moi. J'ai rien fait. Là, depuis tout à l'heure, je suis en train d'essayer de trouver la salle secrète. L'homme hein. qui prenait tout le temps. C'est toujours en train d'essayer de la trouver. Un jour, je trouverai. Et un jour, je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Wizardboy, tu es drac au feu. Écoute, un chauffe. Je suis caché. Dans les profondeurs de... Dans les galeries ta salle secrète. Je ferai tout pour être meilleur. Et gagner les défis. Je parcourrai la terre entière. Bravo avec moi. J'ai envoyé une flèche sur une vache. Là, je suis dans l'arbre. Je suis dans l'arbre. Les MCK, c'est leur mystère. Et les karaokénas. Désolé. Même si 4 attrapés, il est où, tu peux le dire, notre histoire. Ah ah, j'ai la Moni. Ensemble pour la victoire. Ensemble pour la YouTube Moni. Dans l'illégal Moni. Rien je suis en train de s'arrêtera. Exprimez vos avis en commentaire. Oh boy, okay, là. Exprimez vos avis en commentaire. Mais je suis en train de sérieusement réfléchir à activer la monétisation exclusivement pour payer le serveur. Tout à fait, j'approuve exactement ce que dit CLB du passé. Oui. Parce que j'aime pas vivre dans le risque. Non mais je continue à chercher en creusant des galeries moi. Que le serveur s'éteigne. Sérieux, ça me tend très bien. Tafloff est en train de faire des galeries dans la. Demandez à YouTube Money juste pour aider le financement du serveur. Si jamais il y a trop de YouTube Money, bah tant pis, ça financera encore mieux le serveur, on sera encore plus au calme. Et si jamais il y a trop de YouTube Money, bah là écoutez, bah c'est que vous survoltez. Ah, mais... Et à ce moment-là, on réinvestira pour faire des, je sais pas, des goodies MCK Team. Il l'a. On vous distribuera gratuitement. Non, il est pas là. Oh, ce serait super comme ça. Je vais faire des petits pins MCK Team qu'on donne à tous ceux qui participent à la monétisation. Genre en regardant les vidéos. Les cartes MCK Team, membre officiel de la. Ah, mais il y a un étage encore. Oui. Évidemment, tu vas pas trouver la Mouni si tu trouves pas l'étage. Voilà. Putain, mais il a vraiment cassé un bloc en plus. Moi, je suis en train de faire ma base là, puisque je sais pas ce que vous faites, du coup, moi je fais ma base donc. Putain, Geoff, au fait, la MCK Arena là. Enfin, la jury, ça. Mais oui, non, mais il faut la financer, hein. La financer, ah oui, il faut la financer en préparation. On va ouvrir un Kickstarter, tiens, tu vois. Merde. C'est 20. Désolé. Oh là là, ça part en steak haché cette entrée. Désolé, t'es un Geoff, hein, je respecte pas ton œuvre. Pour tout le monde se donne. Quelle œuvre ? Bah, la porte d'entrée en fait, c'est une œuvre à part entière. Mais. C'est mieux déjà que t'es construit. Tu vas regretter. T'inquiète pas, tout est reconstruit comme il faut.
C'est trop cool. Donc, est-ce que l'on avait d'autres choses à montrer? Oui. Moi aussi. Oui, oui. Et pourquoi tu m'as volé ma poussière de Tajof? Je te dis, il est une Tajof. Merde. Tajof? Je suis un pauvre sniper, voilà. Non, juste un petit archer de base. Tiens, la sainte où elle existe encore? Ouais, elle, oui, elle est dans le coffre. Même que je voulais à un moment la tuner, mais j'avais la flemme. Genre, je voulais me mettre l'upgrade un petit peu. Ah, flèche sur le creeper! Plus de creeper! Bam! Putain, mais il y a des torchetés. Je me balade que très peu de ce côté, en fait. Vous allez où? Ah bah, on va voir un petit peu hein, ce qui traîne. Bah, il y a un peu mon logo en plein centre, non, à côté de trucs. En fait, les creepers sont définitivement des sbires du bon du bien. Non, les sbires, bah, c'est les sbires de Creepy. Oh, et Creepy, du coup, est un... Oh, c'est le grand pop du bon du bien. Bien, alors. Voilà, j'ai jeté tu n'es pas potion. Le grand pop, je sais tout. Ah oui, tu sais tout. Alors, quelle est la capitale de la Colombie? Bogota. Oh mon dieu, oui, c'est vrai, je sais tout. C'est ainsi que CLB reste à tout seul. Personne ne connaît ces Z à bridge ici. Franchement, vous me décevez, les mecs. Moi, je connais Monsieur Crash Stéphane. Personne ne se souvient de ces Z à bridge ici. Peux peut-être, mais moi aussi, je peux. Mais merde, je savais même pas qu'il y avait une entrée dans le... T'as un chef. En soirée. Si, si, j'y suis déjà allé, mais... Tu as pas vu venir. Ça appartient à qui, ça? Adieu, Wither. C'était pas genre... Wither, l'aide humanitaire arrive. Je vais crever. T'étais fait avoir, Wither. Mais non, je s'attaque pas. Putain, mais on essayait de se mettre de l'eau sur la tronche. Mais... Non, arrêtez, j'ai un cœur. Frosty, t'as plus le droit. Arrêtez. Ça peut être deux secondes. Ah, si désolé, tu recommences, je te dérape, hein, Frosty. C'est Frosty qui m'a raté. Okay. Si tu insistes. En fait, c'était juste pour le tuer, en fait. Mais bon, oui, on va pas protéger. On va pas protéger MC qui t'aime, on les emmerde. Est-ce que tu viens de dire, en fait, parce que on ne combat pas la violence par la violence. Mais faut pas déglinguer qui que ce soit avec le dieu des trolls. Personne. Avec les dieux des trolls. Oui, je suis le dieu des trolls, je ne tue pas, j'enflamme juste. Ouais, on règle la voilà. Il ne tue pas. Et bah alors... Toi, par contre, aussi, tu tues sans aucune pitié. Il y a 5 minutes, tu m'as tué avec ma propre épée. Oui, mais c'était trop tentant. Bah, moi, je te tue pas quand je te vois. Ça dépend. À part quand je vois Tinjoff, oui, mais Tinjoff, c'est une exception. Sa propre épée, ça mérite de mourir. Bah non, mais non, parce que c'est lui. Mais il jette par terre son épée Sharpness 5, Flame et tout. Mais c'est pour te la montrer. C'était pour la montrer, bah. Oh, mais c'était trop tentant, c'était trop. Moi, c'est Sharpness 4, Flame, quelle est mon épée. On fout, moi, j'ai presque tout, mec. Vas-y, viens. Pourquoi t'as un ton sérieux quand on parle tous au second degré, mec? Attends. Allez, qui moi? Allez, quand allez, nous on est tous au second degré, pourquoi tu parles au premier? Juste. On fait pas des blagues en ayant une voix monotone comme si on reprochait tout le temps des trucs aux gens. Attends, c'est LB. Alors on va faire un 1v1, tu peux le filmer avec Frosty et moi. Avec notre stuff. Eh, hey, attendez, j'ai pas le droit de voir. Battez-vous! Allez! Ça semble mal engagé pour le Tinjoff qui prend cher sa mère et qui est déjà parti 30 blocs en arrière. Et Tinjoff se fait martyriser. Tinjoff meurt comme il n'est jamais mouru. Mais il se défend. Et visiblement, Frosty tente un petit peu de s'échapper, même si je gère plutôt bien l'ensemble pour l'instant. Fanax a une tronçonneuse. Et le combat semble au point mort. On ne sait pas trop où est Tinjoff. Tinjoff s'est enfui. Tinjoff prépare son. Tinjoff est un sale lâche de merde. J'ai commencé le match avec 2 gigots. Vous voulez que je fasse quoi face à ça? J'ai plus de gigot, moi. T'as plus de gigot. Tinjoff, ça vous vaincu. Parce qu'il avait faim. Tinjoff, game over. Non, je suis toujours vivant. Ah, j'allais te faire un slash kill. C'était le retournement de ce. Et voilà, donc retour en force des gens qui se... Allez, bim. Ah, bah, il ouais, a gagné. Va te faire. Je te déglingue, Sabi. Boum. Tu vas goûter à la puissance du made in France. C'est pas Wizard Boy qui a voulu me troller. T'as vu quand c'est une merde? Et bah, en fait, quand il se fait défoncer, Tinjoff il défonce les autres. C'est génial, hein? Bon, c'est Wizard Boy qui m'a lancé une potion de poison. J'aurais pas frappé. Bah, ok là, ok. C'est mérité. Tu m'as brûlé. Mais tu t'es fait déglinguer, mon mec! Tu t'es fait déglinguer! Salut, Loris! Ouais, non, mais j'ai commencé à 2 gigots, j'étais pas. T'as un plus bon site dans les autres. Et alors? Joris, on va te construire une arène. Joris. T'as qu'à regarder. Une arène à ta gloire, cool. Oui, on s'en fout, t'es mort. Eh, il y a une zone un petit peu plate là, il y a une petite cavité assez plate là, qu'est-ce qu'on en fait? Laisse-moi juste dire une chose, Frosty. La première chose que j'avais en main quand le combat a commencé, c'était mon poulet parce que j'allais commencer à bouffer. Oh, ça ferait une super arène de spliff là, vu que quelqu'un. C'est une énorme cavité, mais qui a été entièrement recouverte de neige. J'ai l'impression que le truc a été taillé pour faire du spliff, quoi. Ah oui, bah c'est moi. On va pas faire du spliff dans une arène de gladiateurs. Sapristi!
Ah bah oui, mais c'est... Sabristi. Sérieux, ça... Sérieux, c'était, c'était mon ancienne maison, en fait. J'ai mis de la TNT partout et j'ai oublié que deux blocs en dessous, quand tu mettais une plaque de pression, ça explosait. Du coup, ça, c'est moi. C'était mon cratère. C'était ma maison. Mais maintenant, c'est plus ma maison. Désolé, cratère, Wizard ta Boy, maison qui sera reconvertie en arène. On ne fait pas ça avec le Tinjoff. Attention, ça va... Oh non, mais non, mais arrête. Ah, putain de bordel de... C'est gagné. Qui a fait ça? What? Mais non, c'est pas du spliff non plus. Oui, on fait du Tinjoff. Tu fais quoi, là? Eh, j'ai une moi, je fais rien, c'est toi qui m'empoisonne. Et c'est parti pour un incroyable match de... Non, arrête. Et Fanax qui a déjà perdu, mais qui est revenu... Par non, mais en plus, il continue. Mais c'est qui continue? Non, mais je suis mauvais. Allez, maintenant, qui s'occupe de te reconstruire? C'est Bibi, alors. Non, casse-toi. On dit pas en train de se casser. Moi, je joue avec le lag, en plus. Mais Frosty, hein. Tu m'as battu. Les avantages en règle. Par contre, une chose, une alors, t'as commencé, alors, Tinjoff, j'avais en arme. Pourquoi ah cette rivalité là? C'est juste que quand on a commencé le combat. Putain, je commence à avoir beaucoup de neige là par contre. Moi aussi, bah c'est fait exprès, hein. faut reconstruire. Il est où J'ai 48 blocs de neige. Il est où? J'ai peur maintenant, du coup on va m'attaquer, du coup je me mets. En fait, mais c'est vraiment quelqu'un qui a fait une arène de spliff. Ouais. Ah oui, mais moi, on reconstruit et puis pour mettre autre chose en fait à la place. Oh, je vais faire une arène souterraine, vous savez quoi? Je vais faire une arène souterraine. L'arène de jouer sera souterraine? Ouais, dans sa base. C'est décevant. C'est très très décevant. La base des Jurassic Industries, c'est fait par Frosty, hein. Je crédite, sinon il va gueuler. Ah oui, ah oui, elle est faite par Frosty, je sais, j'ai vu la vidéo. Et Alfwick. Et Alfwick aussi. Et Alfwick. Frosty. Avec l'aide précieuse d'Alfwick. Non. Il y a un Underman qui se balade, je sais pas si c'est légal. Philippe. Non mais sérieusement, il y a un Underman qui se balade. Oh, très si drôle. Hop c'est là, il salue Fanax. Non, laissez-moi sortir, pitié. Bon, on arrête. Ok, okay. Ça pourrait être sympa de faire juste avec un petit peu de command block, un petit reset automatique pour faire vraiment de ça une arène. Ah oui, tiens, ça c'est une remarque qu'on m'a fait hier dans les épisodes de MVO, je regarde énormément le sol. Et bien rien que pour vous, tada. Voici, il voilà, va regarder énormément là, le ciel. Là c'est la miniature de la vidéo, je pense. C'est l'arbre des tuiles vu d'en dessous. C'est vraiment une image exclusive dans MVO, voilà. Wow. Il est tellement pas vu à maintes et maintes reprises. Mais pas d'en dessous, attention! Et t'as toujours plus de bottes, CLB. Oui, je sais, merci. Mon stuff est complètement pété, je crois que je vais m'en refaire un intégralement en fait. Bah, moi, il est bien, mais. Moi, mes bottes, elles commencent à en baver et pourtant elles sont pétées, ça me fait chier. Tu sais que, Tinjoff, moi j'étais en P1 là en fait, hein. J'avais même pas de protection 2, protection change, j'avais un P1. Oui, non, mais moi je suis full P2. C'est pour ça que je te dis que si j'avais commencé et moi, avec j'ai... mon épée, mais on j'ai torse en... P1. J'ai que torse P1 en fait. J'ai que torse P1. Et ça, c'est la peut-être. J'ai pas d'enchantement moi. Et je le vis très bien. Non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, si j'aurais pas commencé avec mon putain, mais qu'est-ce que tu fous, mon gars? Bah, très bien. Et bah, écoute, moi je boude. Hein, je vais faire le palais de la Reine des Neiges ici. On est très contents. Pardon. Ah non, ça par contre, c'est un Jeff qui l'a fait sur Egg Defense, ça, le palais de la Reine des Neiges. C'est pas le palais de la Reine des Neiges. Désolé. Pourquoi tu m'as traité de phoque? Parce que fuck you. You are a phoque. Attends, il y a voilà. Attends. Voilà. Que le prochain qui essaye de stepper sur moi, il se prend un saut de lave. Hein. Merde. TLB. C'est pas sérieux. 12 blocs du coup. Voilà, merci. Ah, la Reine des Neiges, je vais t'aider. Bon, il n'y a pas assez de neige en fait. Du coup, j'ai fait les chiffres de la Reine des Neiges. Pour moi, c'est des toilettes sèches. Alfwick, qu'est-ce qu'il est là? Alfwick, il est là sur Skype. Il m'a demandé si on tournait. Je lui ai répondu que c'est fort probable, mon petit Jean-Paul. Il m'a vraiment répondu ça? Je suis dans le château de la Reine des Neiges. Non, non. Là, par contre, je vais faire un truc. Hein. Je suis dans la Reine des Neiges. Je suis Reine des Neiges. Non. Tu vas dire des nombres. Désolé. Hein. Désolé de quoi? Bah, venir, en fait, il y a un qui m'a appelé, un fruit, et ouais. Il veut que vous l'invitiez. Mais fais-le, toi. Mais bah, ouais, moi je peux pas, moi. Bah, si, tu quand peux. Quand vous dites que. Attends. Ajouter des gens qui t'appellent. Voilà. Le Wizard Boy. 3, 4, 3. Eh, vous saoulez, moi je l'ai pas dans mes contacts. Hein. 51. Bah, t'as qu'à te le mettre. 43. Non, mais le mec. Le mec il veut grucher. Non, ah, pas du tout ce que tu fais. Fais gaffe à ce que tu fais là. J'ai la pelouse à Pedro dans les mains. C'est bon.
Tu fais même... tout, quoi, là, en fait. Attention, faudra non, sacrifier 2-3 émeraudes. Que fais-tu? Très légal. Une arène de spliff, motherfucker. Mais arrêtez de... Tiens, on va faire un truc pour les losers, un petit peu. Mais éclairer, non? Mais non, c'est pas grave, comme ça, celui qui mourra, il mourra vraiment, genre, il y aura des cris cul partout et tout. Voilà. Merde, mais... Pourquoi j'ai un URL de vidéo YouTube dans mon presse-papier? Non mais invitez-le. Mais putain... Attendez. Enfin, ils savent pas faire, les gens. Bon, je vais rajouter, hein, parce que j'ai un peu con, les gens. Je vais le faire. Moi. Non, trop tard. On l'a appelé, c'est bon. Il va gueuler quand il va arriver, c'est normal, parce qu'il a un micro super fort. La MCK Team appelle la MCK Team. Non, moi j'ai mis du non. What? Allô? Pourquoi la... Ouais, what? Ah, c'est bon, on a éliminé les méchants gens. Genre, si y a Fanax encore, c'est bien, mais s'il y a plus d'un peu, c'est mieux. Fanax yes. Ça m'a l'air chelou quand même, là. On est sur quel point? Pourquoi tu passes Skype comme ça? On a qu'à aller sur TeamSpeak. Pardon. C'est quoi cette con? Parce que du coup, la MCK Team a raccroché, apparemment. Ouais, bah ouais, j'en sais rien, c'est un bug de Skype. On l'a eu au début de l'épisode. Mais au moins, t'as jamais plus là. Bonjour. Voilà, mais arrête! Mais je suis en train de faire je suis en train de faire une issue pour les losers. Ah ok, l'issue du pauvre. L'issue du loser. Putain, mais. What the fuck? Putain, mais. Comment je peux rater un slash fill, quoi? Je suis complètement. Re! Encore? C'est le plus grave. Oui, ah non, ça mais. Non, c'est normal. Ouais, ça bug un peu. C'est obvious en fait, je sais plus faire de redstone, c'est genre non. Enlève-toi et remets CLB parce que du coup, moi, si tu veux, je t'en. Enfin, c'est, je t'entends, mais c'est chelou. Bref. Oula. Oula. On est en épisode, bonjour, le fouille. Je vous entends en écho là. Oh merde. Skype est en train de décéder. CLB. Moi, je vous entends donc y'a pas de soucis. T'es au courant que ça fait 10 minutes que j'essaye de faire un truc plat. Quand vous parlez, on vous entend plusieurs fois. Tu fais ça. Eh ben, écoute, j'essaye. C'est censé être plat, donc voilà. Et maintenant, je parle avec une voix comme ça quand je suis énervé, parce que je suis un fifou, et arrête de faire ça, et sinon, c'est toi qui vas tomber, tiens, voilà. Ça s'appelle Skype, ouais. En fait. C'est juste Skype. Merde, par contre, je suis en game mode 1, moi. Je suis en game mode 1. Oui, cheater. Ah, putain. Voilà. C'est l'épisode des bugs. Vous m'entendez ou pas? Oui, on t'entend. Oui, oui. Enfin, en théorie. Ça, c'est le bordel. T'entendons. Ah, bah, je suis intégré dans un con, à peu près, c'est bon. Un jour fait là, mais il veut pas parler, mais c'est pas grave au pire. Et alors il a le droit. C'est son droit. Qu'est-ce que t'as contre la reine des neiges? Tu veux te battre? Mec, il faut trop la merde. On va se battre, hein. On va se battre. Regarde, moi je serai là pour vous dire d'arrêter de vous battre. Et j'ai déglingué un jour. J'ai plus de paix. Aussi. Bon, moi j'ai la pelle au Pedro, sauf que regarde la pelle au Pedro, tellement elle est puissante. La pelle au Pedro. Une pelle en fer fait la même chose. Elle est puissante. Elle est... Bref, voilà une arène de spliff resetable. Fuerte. Regarde, vous pouvez faire l'arène des neiges. Elle est énorme. C'est le narcotrafiquante le plus... Putain, tout le monde. Où est-ce que tous les mecs qui devraient être des narcotrafiquants? C'est raciste. C'est discriminatoire. Attends, je vais sacrifier une émeraude. Ouais, tiens, d'ailleurs, sacrifier... Attends, avant de sacrifier émeraude. Mais arrête, t'es finaise. Wizardboy mourra. Tiens, en même temps, tu sacrifieras ça, s'il te plaît. Mais... Allez, salut, c'est tes enfoirés. Ah, tiens, attends, je te redonne la retenue flèche de Tinjoff. Sacrifice. Non, mais voilà. Voilà. Ce sera un sacrifice suffisant. Merde. Dans la merde. Vous allez goûter à la puissance du Made in France. Mais putain, mais pourquoi je suis... J'étais en train de crafter un truc. Chez. Bah, tu craftes. Fais chier. Le spliff de l'amour. T'aurais pas dû me faire tomber. Ah ouais. C'est pas moi qui t'ai fait tomber. Du coup. Pas moi non plus. Ton incapacité à défier les lois de la gravité. Qu'as-tu inventé? Oh, mais t'as un jeu, il m'énerve là. Attention, derrière toi. Mais arrêtez, tu je vais gagner cette partie. Je m'en fous, j'ai réussi quand même à le crafter. Surtout en restant sur... Là, par contre, vous êtes hors de l'arène, les mecs. Quoi? Oh, non. Non, j'ai rien à t'indiquer. Loser. Ah merde. J'ai gagné. Je vais si je joue en 5 FPS. Hein. Je suis tombé juste après toi. Ah, je suis en F1. C'est LB, il rappelle tout le monde. Bon, bah, on coupe et on rappelle. Bonjour MC Captain. Bonjour. Allô. Allô. Casse-toi, non, tu n'iras pas. J'ai une question. Qui allait prendre toutes mes ressources? Non. Personne n'allait prendre toutes tes ressources. Si, il y a plein, il y a plein, je vais faire sur ça. Par contre, Wizard, je crois qu'on t'entend en double. Echo. Raccroche. Mais Echo, enlevez-vous le deuxième.
Qu'est-ce que c'est que ce délire, mon dieu. Du coup, qui a dit attends, je vais fouetter mes ressources. Par contre, je peux pas. Ah, je sais pas. J'ai tellement envie de faire tomber. Attends, je. C'est pas tes ressources. Tu peux même pas raccrocher. Des ressources aussi, des ressources aussi lourdes. Ah bonjour. Aussi lourdes, mec. Elles sont publiques. J'ai mis les 20 minutes. Bah là, en fait, on est mais entre, oui, mais ça reste de longues ressources. Hein, et puis, les gens ont la flemme de miner, c'est pour ça, en fait. Je suis désolé, j'ai vu ce qu'il y avait, ça reste assez énorme. Bah oui, bah, je me sers juste un peu pour mon armure, alors, parce que j'ai que dalle. Alors, voilà. Ah, oui, non, faudra bientôt conclure l'épisode, les mecs, ça commence à faire longtemps qu'on tourne. Follow me. Attends. Oh, protection 4. Unbreaking 3, protection 4 sur le pantalon. Ah oui, mais toi, t'as plus de chance que moi. On se met devant mon logo. Non, attends. C'est pas derrière toi, c'est le mec. Je savais, je suis en W5. D'ailleurs, si ça intéresse quelqu'un, j'ai une looting 2. W5 devant mon logo. J'ai une looting 3. Donc, sur ce, je vous remercie du visionnage et je vous dis au revoir. C'était CLB. Et Frosty. Oui, et Fnax et tout le monde. Youhou. Allez, salut, je me casse. Bra 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 bra.